Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le dribble le plus méta du jeu, le plus cheaté du jeu. Des vidéos comme ça, vous en verrez pas deux parce que je vais vous présenter un tuto complet. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre l'intégralité de la vidéo. Faites-moi savoir si la vidéo vous a plu en likant, en vous abonnant et en activant la cloche parce que ça sert à rien de s'abonner si vous activez pas cette cloche qui va vous aider pour avoir des notifications. On va pas perdre plus de temps que ça, c'est parti. Ah, j'ai oublié de vous préciser que au cours de cette vidéo, je vais vous présenter le même geste technique mais différemment. Vous allez voir au cours de la vidéo. Le premier geste technique, la première façon de faire ce geste technique est comme la roulette, mais vous pouvez faire que en arrière. Mais vous pouvez enchaîner avec un double contact, donc un crochet. Vous pouvez aussi lever la balle en enchaînant le geste technique. Maintenant, comment faire ces dribbles? Comment réaliser ces dribbles? On va commencer par ce dribble là. Pour réaliser ce dribble, il suffit d'appuyer une fois sur le joystick, reculer avec le joystick et faire le double contact. Tout ça rapidement, comme quelques fractions de seconde, et dès que vous recevez la balle. Il faut que le joueur soit en face du mec, comme vous voyez à l'écran, pour réaliser ce dribble. Maintenant que vous savez faire ça, vous pouvez réaliser ce geste technique, ce magique, ce fameux geste technique avec n'importe quel dribble. Par exemple, maintenant on l'a fait avec le double contact, vous pouvez réaliser avec l'arc-en-ciel, avec n'importe quel autre dribble, même avec la fin de frappe, c'est trop cheaté ça. Vous avez à faire la même étape précédente, donc vous touchez une fois sur le joystick, vous reculez et vous appuyez sur n'importe quel dribble ou avec la fin de frappe qui est très très cheatée. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos sur FIFA mobile. Par exemple, comment faire des passes roulettes, comment faire des tirs de 70 mètres. Dites-moi tout dans les commentaires, je vais essayer de répondre à tout le monde. Et sur ce, c'était Mortal Hop. On s'attrape. Ciao.